Daisuke devient le premier samouraï étranger dans l'histoire du Japon. En l'occurrence, c'est un samouraï noir. C'est un honneur de devenir samouraï, parce que à l'époque, ce clan était réservé uniquement donc à une élite japonaise. Tu ne seras jamais rien d'autre qu'un esclave. Et ce, peu importe l'armure que tu portes. Combien ont pris de risques, combien ont renoncé. Moi j'ai rêvé Yasuke. Il y avait des liens très très étroits entre le peuple Makwa que l'on trouvait donc à Mozambique et puis donc Goa en Inde où étaient envoyés donc effectivement dans certains esclaves par les Portugais. Les esclaves les plus prisés sont les Makwa. Les femmes sont appréciées pour leur beauté, pour leur grâce, pour leur disponibilité et les hommes Makwa sont appréciés pour leur robustesse et puis pour leur loyauté. Un noir comme Yasuke qui arrive au Japon, qui est robuste, qui est grand, ça crée naturellement une espèce d'enthousiasme et de ferveur au Japon. C'est quelque chose de très rare. Lorsque Valegnano emmène Yasuke à Kyoto, il y a une véritable émeute. Les Japonais sont abasourdis de voir ce noir, ils entourent la mission jésuite, ils cassent des portes, ils lancent des pierres, ils veulent absolument voir ce noir. Et naturellement, ça se répand dans toute la ville et ça arrive jusqu'au château de Munanga. Le Munanga dit « je veux voir ce noir ». Donc on lui emmène ce noir. D'abord il n'y croit pas, il dit que c'est pas possible. Lui, un grand seigneur nippon, il peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui puissent avoir cette couleur-là. C'est forcément quelque chose qui relève de la magie des barbares du Sud. C'est comme ça qu'on appelait autrefois donc, les Européens. Et il demande à ce qu'on lave Yasuke dans un baignoire. On le frotte et il voit que l'homme est toujours noir. Et là, il est complètement donc estomaqué. Il demande aux jésuites s'il peut garder donc cet esclave pour lui. Seulement lui offre des privilèges, notamment le privilège de porter les deux sabres, hein, le court et le long. Il lui offre aussi le privilège de porter sa lance, et puis il en fait quasiment son garde du corps, et il en fait un samouraï. Nobunaga récompense ceux qui prouvent leur valeur. Forcément, il y a toujours dans l'ombre tapis quelqu'un qui n'apprécie pas qu'un non-japonais puisse avoir autant d'honneur, devenir samouraï, surtout qu'Akishi tient des propos très, très méprisants à l'égard de Yasuke. Yasuke n'est pas des nôtres. Notre peuple n'acceptera jamais cet homme. Un jour, Nobunaga se retrouve à Kyoto, dans un temple, et malheureusement pour lui, il n'a pas pensé que dans son propre fief, il pouvait être trahi. Et là, il est entouré donc par toute une armée hostile, et la bataille s'engage. Yasuke est à ses côtés. Finalement, Nobunaga finit par se faire seppuku, donc à mourir. Regarde-toi, Yasuke. Tu es le seul qui n'est pas trahi. Il ne me reste plus qu'à mourir avec honneur. Mon ami, ce sera le dernier ordre que je te donnerai. Il y a très très peu d'archives, quelques archives portugaises écrites par des jésuites et puis de la même façon une ou deux personnalités japonaises qui sont intéressées à Yasuke. Sinon, sorti de là, il n'y a pas grand-chose. La dernière image ou le dernier texte qu'on ait pu avoir sur Yasuke, qui est écrit par un jésuite qui s'appelle Louis Frost, c'est le porte-parole de la mission des jésuites au Japon, et c'est lui qui dit, mais voilà, Yasuke donc a rendu son sabre, et Takeshi a dit, il ne mérite pas de mourir, c'est un animal, il n'est pas japonais, renvoyez-le donc chez les chrétiens. Et on n'a pas plus que ça, voilà, l'histoire s'arrête là. Et après, on ne sait pas ce qu'il devient.